Tu me demandes comment ça va finir One Piece? Ça peut pas juste être un trésor. Oh non, pitié, pas encore ce débat! Bah quoi, l'auteur va pas nous faire 30 ans d'histoire pour qu'au final les héros tombent juste sur un vieux coffre? Oui, je suis d'accord, mais ça sert à rien d'essayer de vouloir deviner la fin. De toute façon, Oda va nous surprendre comme un... Hey, les gars, regardez! C'est quoi? C'est un t-shirt magique! C'est un t-shirt magique en blanc? Mais non, je l'ai acheté 500 euros à Citadium! 500 euros! Il y avait le bonnet pigeon qu'elle est avec ou pas? C'est ça, moquez-vous. C'est un t-shirt qui a le pouvoir de fusionner les objets présents dans la pièce. Comment ça? Bah regarde, Sushi, Panda... Panda Sushi! Oh! Mais c'est énorme! Attends, vas-y, refais! Ok, Tamagotchi, Sac Gucci... Tamagotchi! Wow, oh shit! Mais c'est quoi ce délire? Et c'est pas tout, ça marche aussi avec les pensées! Les pensées? Exactement! Tiens, réfléchis et dis-moi, c'est quoi ton plat préféré? La soupe faux? Non mais on dit pas faux, mec, on dit faux. Bah pourquoi ça s'écrit faux alors? Bref, peu importe. Et c'est quoi ton Pokémon préféré? Ma Dracaufeu! Oh! C'est Dracaufeu! On dit pas Dracaufeu, mec, c'est Dracaufeu! Bah pourquoi ça s'écrit Dracaufeu alors? C'est bon, t'es fier de toi? Et c'est pas fini, il peut même faire des jeux de mots tout seul! Mew, Mozart, Mewzart, Bou, Bouddha, Bouddha, Alibaba, Babar, Alibabar! Attends, j'en ai un! Madonna, McDo, McDonna! Ah, ça c'est bâtard, mec. C'est clair. T'as quoi contre les gens qui mangent beaucoup? Ah, mais non, c'est pas ça, c'est parce que... Choqué. Déçu. Tiens, Raph, c'est quoi ton film préféré? Toy Story. Ok, et ta célébrité préférée? C'est... Kim. Kim qui? Kim... Vas-y, dis. Kim Kardashian, voilà! Désolé, mec. Non, ok. On ne juge pas. Toy Story, Kim Kardashian. Super. Kim Story, c'est Kim Kardashian, toute sa famille et Kim Jong-un. Mais t'es sérieux? Il a même fait le lien entre deux Kim connus. T'as vu ça? C'est ouf, hein? Et je peux fusionner le motif de ce t-shirt avec l'un d'entre vous, par exemple. Quoi? Comment? Bah, à Kim, Kim Jong-un. À Kim Jong-un. Bruh. Oh non, mais ça part trop loin, là. Attends, mais est-ce que tu réalises le pouvoir que possède ce t-shirt? Grave. Eh, hey, on pourrait fusionner Fillon et Nabila. On saurait à quoi ressemblent leurs enfants. Nabillon. Quoi? Non, mais ça va pas, la tête, t'es dégueulasse. Non, non, moi, je pensais plutôt à un truc comme ça. The End? Exactement. Si on fusionne The End avec un tome de One Piece, peut-être qu'on connaîtra la fin de One Piece. Oh, pas con. On essaye? Ok. The End? One Piece? C'est le roi de Goldie Roger! Incroyable! On va enfin rencontrer le seigneur des pirates! Allez tous vous faire enculer! Vous ne connaîtrez pas la fin de One Piece! Un temps de 10 ans, comme tout le monde! Comment ça va YouTube? Vous l'avez compris, ça fait plus d'un an que je vous en parle, je lance enfin ma petite marque de t-shirt qui s'appelle Pun. Ça veut dire jeu de mots en anglais, hein, parce que la plupart des t-shirts seront basés sur des jeux de mots honteux, mais bien dessinés. Les designs sont tous imaginés par moi, puis remis au propre par des graphistes que j'adore. L'impression est numérique, ça veut dire que c'est très coloré et que ça part pas au lavage parce que c'est imprimé dedans. Et le site de la boutique, c'est punstory.com. Il y a presque tous les designs montrés dans cette vidéo et d'autres inédits. Bref, je suis super content à l'idée de commencer ce nouveau projet, j'ai toujours été un énorme fan de t-shirts et je vous proposerai régulièrement des nouveaux modèles. N'hésitez donc pas à suivre les réseaux sociaux de Pun que je viens de créer pour les futurs modèles à venir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dis à très bientôt pour un nouveau sketch. Peace.